Bonjour à tous, c'est Alexandre The Gamer. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 14 de Dans le Rétro. Et on se retrouve aujourd'hui pour le célèbre Top Spin 1, qui est un jeu de tennis qui... j'ai jamais retrouvé les mêmes sensations que j'ai eues sur ce jeu. Et donc, je vous l'avais déjà présenté il y a 2 ans, parce que j'ai racheté le jeu il y a 2 ans sur PC, parce que j'ai plus la Xbox. Enfin, je vais en avoir une pour continuer mes séries dans le rétro, parce que, je veux vous présenter un peu tout ce que j'ai connu. Et ce jeu-là en fait partie, et il faut savoir que mes parents, j'ai fait acheter une Xbox exclusivement pour ce jeu à l'époque. Et il était très abouti pour son époque. Donc, c'est un jeu qui date de 2003. Et vous allez voir, c'était très bien pour l'époque. Donc, voilà. Mais on est sur PC. Et si vous voyez les images bloquées au début des menus, quand... c'est que j'ai été obligé d'enlever les fichiers vidéo du jeu. Sinon, le jeu ne se lançait pas, tout simplement. Et voilà. Donc, je prends Leighton Hewitt contre Romain Grosjean. Et on se retrouve comme la toute première vidéo sur cette chaîne, sur ce jeu. Enfin, pas la première vidéo de la chaîne, mais la première vidéo sur ce jeu, sur Roland-Garros. Donc... attendez, je vais changer de caméra par contre. Parce que la caméra de l'époque. Elle était. 15. Elle est très. Elle est très jouissive pour l'époque. Mais. C'était la première fois, à part Virtua Tennis, qu'on avait une caméra comme ça. Mais je la trouve beaucoup plus compliquée. Beaucoup plus compliquée à jouer. Et il est, faut savoir que ce jeu, donc, était une exclue Xbox, mais que il est sorti sur PS2 quelques années plus tard, et s'en est suivi les 2, 3, 4. Après, t'as eu des évolutions, t'as eu des copies de ce jeu, enfin, qu'ils ont voulu essayer de l'égaler, mais ils ont... à mes yeux, ils ont jamais réussi. Et ça reste celui-là le meilleur. 45. Oh, il a fait une brain. Très bien joué. Les coups risqués. Aussi. Jeu. Et oui. Et oui. Donc on est en 2-7 gagnants. Je pense qu'on fera tout le match. Et là, je suis en haut, comme vous pouvez le voir. Faute pour Grosjean. Hop. 15-0. Oh, j'ai plus l'habitude. J'ai plus l'habitude de ce jeu, les gars. Non. 30-0. Ah, il m'a niqué. Ah, il m'a eu. Il m'a eu, les amis. Oh, super service, mais en faute. Voilà. Ah. 30-15. Oh. Ouf. Alors, je sais pas, vous verrez, j'essaierai de vous proposer la version Xbox. Aussi, quand j'aurai récupéré ma Xbox. Mais je trouve que, avec une manette Xbox One, ça... le joueur s'arrête à un moment.
Mais... Oh non 40-30. J'ai voulu le brain, ma brain. J'avais presque tout fait, les gars. Quel dommage. Allez. Égalité. Mais quel jeu! Quel jeu! Regardez ça! Mais quel jeu! Mais vraiment! Avantage et oui. Oh là là! J'aimerais arrêter de jouer sur Grosjean là. Sébastien. Pas Romain. À ne pas confondre. Parce que j'ai déjà entendu dire. Ouais, alors, Sébastien Grosjean, le pilote de Formule 1. Non. C'est pas lui, les amis. Ah, les coups risqués, c'est très compliqué. Ah, je l'ai loupé. Oh non, j'ai fait un ace, bien joué. Ah, je l'ai loupé. Ah. Trop forcé. Parfait. 30-0. Deuxième ace. Bon, comme je vous ai dit, on est en facile pour se remettre le jeu en main. Ça fait plus de 2 ans que j'ai pas joué au jeu. Et encore moins... J'ai joué à ce jeu. Bah, il y a 20 ans pour la première fois. Enfin, un peu plus. 45. Puisque j'ai eu... la première Xbox en 2004. Voilà. Oui, je vous raconte ma vie, mais... c'est aussi le but de dans le rétro. Hein ? Mais bon, voilà. Allez. Deuxième set. On fait mal là tout de suite. Voilà. Il a essayé de nous balader. Vous voyez, on reprend le jeu en main. Faute pour Grosjean. Il joue beaucoup avec les lignes, hein, Sébastien. Et voilà, c'était un jeu des Microsoft Game Studio à l'époque, donc une exclusivité Microsoft. Sauf que ils avaient entre la version Xbox et PC du jeu, ils avaient pas le même éditeur. Ouf. On va y arriver, les amis. C'est serré, ce match. C'est serré, ce match, les amis. Oh là là. 40-30. Oh non, 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 non. Oh, Layton qui était numéro 1 mondial à cette époque. Mais bon. Et... Grosjean. Ce jeu-là, il valait vraiment le coup d'être joué à l'époque, je vous le dis. Très honnêtement. Et honnêtement, vous pouvez le trouver à 9€ sur PC. Et je suis sur Windows 11. Et il fonctionne très très bien. Donc... et avant que Windows 11 se
Ce jeu était installé sur mon ancien PC, comme je vous ai fait la vidéo il y a 2 ans. Et franchement, vous pouvez l'installer sans souci sous Windows 11 et pour pas très cher, évidemment. Un jeu à un. Et la particularité des jeux de PC de cette époque, c'est qu'on pouvait mettre ce jeu sur tous les PC qu'on voulait. Le code était à usage unique. Enfin, 015. Il y avait un code, mais tu pouvais l'utiliser autant de fois que tu voulais par rapport à Steam aujourd'hui. Et voilà. Si vous n'avez pas connu ce jeu et que vous avez un excellent PC, vous le voyez, j'ai un excellent PC et il tourne très bien. Seul truc, j'étais obligé d'effacer le dossier fichier du jeu des menus pour que ça se lance, parce que sinon après les cinématiques de jeu, le jeu me refaisait un backup sur Windows. Voilà, mais sinon le jeu fonctionne. 15-30. Le jeu fonctionne très bien et il est excellent, très jouissif. Voilà. 15-40. Et je vous ferai la comparaison sur la Xbox graphiquement, parce que là j'ai rien touché, hein. On est sauf à l'anticrénage, parce que sinon ça faisait bugger le jeu sur OBS et je pouvais pas jouer avec. Je pouvais pas vous faire la vidéo sinon, parce que pour faire des vidéos parfois pour que le jeu évite de ramer, t'es obligé d'enlever des options. Mais voilà. Oh là là! Mais mes amis, quel match! Bien joué, Alex. Enfin, Layton, mais bien joué, moi, pour le coup. 30-15. Bien joué, un ace encore. Avant, j'arrivais pas à les faire. Bien joué. 40-15. Et un ace pour terminer. Oh. Ah, il veut pas terminer, hein. Et voilà. Bon, bah c'était tout pour la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner si c'est pas encore fait, ainsi que d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. C'était Alexandre The Gamer. Et moi, je vous dis à la prochaine.